Oui, ça coûte pas le même prix en fait. Là du coup j'envoie les PDF, mais pas un prix. Ça a été imprimé pour une expo. Okay. Donc du coup j'ai continué. Là le deuxième vient d'être et qui n'a pas pu être imprimé pour aujourd'hui. Parce que l'imprimerie trouvait un petit souci et bon bah ça va arriver. A plus tard. A plus tard. Travaille avec un éditeur, c'est bien sûr pour naître, pour vraiment exister. On a encore besoin de ça aussi, en fait, pour un certain cas, pour cette professionnalisation. Et après, et donc je suis allée voir Free, ils m'ont dit qu'ils n'étaient pas au courant, ils ont découvert ça parce que les gens venaient plaindre. Ils veulent pas remettre le parce qu'en fait c'est d'autres gens. C'est un autre système, mais c'est un peu 3D que ça fait. Oui, c'est ça en fait. Ils organisent un salon de grande édition, auto-édition. Là tu vois, c'est Allemagne. Moi-même, j'ai créé un site de Coïne, sincèrement, il y a un an. Donc, on a une personne qui écrit. C'est assez pareil, mais tu vois, il y a une tige déjà. Il y a des poètes partout. La fois, ils ont trois lieux. À Rennes, il y avait des lieux. Là, c'est en direct. Moi je crois que j'en ai mis une petite. J'ai une petite. La période. Et sur le paradigme, genre, j'aurais rien proposé, dire voilà, je vais faire un peu comme un. C'est vrai? Comment ça s'est passé si vite ces dernières heures? Ah, tu me rappelles. Mais oui, ça fonctionne bien. Là, par exemple, ah oui, je pense. C'est pas grave, Thierry, on va pouvoir les récupérer. Mais il y en a une qui est restée dessus, je pense.